chose vue sur le grand chemin. Heureux l'enfant pour qui le don n'est pas l'aumône. L'été flambe, le blé mûri, la plaine est jaune. Une enfant à haillons, pieds nus sur le chemin, accueillie des bleuets qu'elle tient à la main. Elle a 4 ans, on l'a laissée errer sur la route. Mendiante, non pas, mais bien pauvre. Mais, sans doute, chez elle, on est souvent sans pain à la maison. L'enfant n'y songe pas, c'est la belle saison. Elle est libre. Ses pieds, dans la poussière ardente, ont chaud. Elle accueille des fleurs, elle est contente. Et, près des peupliers dont tremble leur rideau, elle marche. Bercée au trot de son landau. Une dame, à côté de sa petite fille, est prise de pitié pour les rentes en guenilles. Elle veut semer un peu de bonheur en passant. Halte un instant, cocher. La petite descend et présente un louis à l'enfant diminué. Toutes deux ont 4 ans. L'ignorance ingénue, qui vit dans leurs yeux clairs, ne peut encore savoir le sens de ces deux mots. Donner et recevoir, ni que la charité contient un peu d'offense. Ô candeur adorable et sainte de l'enfance, l'une tend sans façon le louis comme un sou, l'autre l'accepte ainsi qu'un étrange joujou, et le prend simplement parce qu'on lui donne. Puis, cédant à son tour à l'instinct d'être bonne, elle offre ses bleuets dans la moisson qui y. Alors la riche enfant, trouvant bien plus jolie que l'or ses bleuets purs comme les yeux d'un ange, est surprise devant le généreux échange, est très reconnaissante, et le cœur tout saisi, embrasse l'enfant pauvre en lui disant « Merci ».